L'homme participe de la conscience universelle. Une partie de cette participation est inconsciente et l'autre partie est consciente. Depuis peu, du reste, tout participe de la conscience universelle. Plus la forme de vie est évoluée, plus sa participation est active à la conscience universelle. À un stade de l'évolution, cette participation devient consciente. C'est le cas pour l'homme. Et plus l'être est avancé, plus sa participation consciente est grande. Donc, pour avancer, pour progresser, il faut augmenter sa participation consciente à la conscience universelle. Cette participation à la conscience universelle chez l'homme se définit sur trois plans. Le plan du conscient, c'est la naissance de l'homme, conscient d'être. Le plan de l'inconscient, c'est le iceberg, la partie que nous ignorons en nous, le plus souvent, en tous les cas. Et le plan du surconscient, c'est-à-dire le plan auquel nous participons à des niveaux supérieurs. Il faut... Pour progresser, pour avancer, il faut que cette démarche devienne de plus en plus consciente aux trois plans à la fois. Depuis l'apparition de la vie sur la biosphère, le moment le plus important a été l'éveil de la conscience, lorsque l'homme est devenu conscient d'être. Ça, c'est vraiment la naissance de l'homme. Jusque-là, la vie existait, mais elle était inconsciente d'être. Et puis tout à coup, l'homme naît. Il y a cet être qui commence à devenir conscient d'être. On peut supposer que c'est venu petit à petit. Peut-être qu'il se trouvait comme ça des hominiens qui vivaient ensemble, en tribu. Et parmi ces êtres, quelques-uns ont commencé tout à coup à avoir le sentiment qu'il se passait quelque chose de très important en eux. Tiens, c'est curieux. Je suis conscient d'être. Et puis ça partait. Et ça revenait, la conscience d'être. Et ça repartait. Et ça revenait de plus en plus. Et les autres autour vivaient cette même expérience. Et c'est probablement ainsi que la conscience est née. On peut également penser que la conscience d'être a évolué avec les rapports de l'homme avec le feu. D'abord, nous avons appris à surmonter la peur du feu. Les animaux ont une peur instinctive du feu. À partir du moment où l'homme est parvenu à surmonter la peur du feu, il était né en tant qu'homme. Et puis, il a commencé à entretenir le feu pour ensuite parvenir à l'allumer artificiellement. Ça marque des étapes de l'évolution, des étapes vers un développement de plus en plus grand
de la conscience. Donc il y a développement, donc il y a progression. Qui pourrait dire où nous nous situons maintenant par rapport à ces débuts modestes et par rapport aussi à autre chose, par rapport à l'éveil chez l'homme du surconscient, qui marquerait une étape certainement aussi importante que celle de l'éveil de la conscience en termes d'évolution. Tout le reste, il y a la part de conscient, et tout le reste, c'est de l'inconscient, c'est notre participation inconsciente. Tout ce qui est du domaine des sensations, tout ce qui est du domaine des émotions, les animaux ont des émotions, tout ce qui est du domaine de la survivance, du domaine de la reproduction, c'est le monde de l'instinct. Il y a même chez l'homme une tension entre l'instinct et la raison. De là même découle une certaine difficulté d'être pour nous. Tout cela participe de l'inconscient, le territoire également. Le couple qui existe aussi chez les animaux. L'organisation sociale même, il existe aussi chez les animaux une hiérarchie, un ordre social. On estime à peu près à 90% la part d'inconscient chez l'homme, le conscient ne représentant que la différence, c'est-à-dire à peu près 10%. Mais le conscient est la chose du monde la moins bien partagée. En principe, tous les hommes, tous les êtres humains sont conscients, mais ils ne le sont pas tous, autant les uns que les autres. Chez certains, la conscience est plus développée que chez d'autres. On peut donc développer sa conscience. On peut augmenter sa participation consciente au quotidien en développant, entre autres, la conscience de l'ici maintenant. Depuis le début du siècle, les psychologues, les analystes en particulier, ont montré la part d'irrationnel dans le comportement humain. On a découvert des zones obscures, des zones inconnues de la psyché. À ces découvertes sont venues s'ajouter également d'autres découvertes qu'on a faites dans le domaine de la psychologie animale, qui nous a permis de constater que nous sommes très proches finalement de nos racines animales. Qu'il y a encore en nous beaucoup de ces réflexes, beaucoup de ces comportements qui sont motivés, qui sont déterminés par l'instinct. Ce ne sont pas des théories qui sont accueillies généralement avec enthousiasme, car on préfère penser que l'homme est capable de décisions rationnelles, de comportements rationnels. Mais personne n'échappe à l'irrationnel. Personne n'échappe à l'instinct. Comment peut-on développer en nous cette part de conscient en nous? C'est très difficile. Il faut le faire en passant par, tout d'abord, une observation attentive de son propre fonctionnement. C'est en observant attentivement son propre fonctionnement qu'on arrive à étendre le champ de sa participation consciente. Je crois que le point le plus important, c'est d'abord de reconnaître que c'est très difficile d'être conscient. Ensuite, de développer ce qu'on pourrait appeler l'attention à soi, mais le rappel à soi, c'est extrêmement difficile. Il faut en prendre conscience, il faut se rendre compte que en nous, ça observe, ça parle, ça commente. On est rarement celui qui observe, celui qui regarde, celui qui écoute. On est rarement attentif à la vie.
Développer l'attention à soi, c'est aussi résister à cette espèce d'état qui tient un peu du sommeil, où on n'est pas exactement ici maintenant, où on n'est pas exactement dans le présent, on est un peu dans le passé, un peu dans l'avenir, un peu ailleurs, jamais tout à fait ici. Je ne dirais pas que l'entreprise est vouée à l'échec, non, mais il est toujours extrêmement difficile de parler de l'inconscient. Toute communication à propos de l'inconscient est difficile. On reconnaît l'inconscient, quand on le reconnaît du reste, mais on n'accepte pas volontiers que nos motivations soient obscures, que nos mobiles soient secrets, soient du niveau de l'inconscient. Depuis le début du siècle, par exemple, les psychologues, les analystes de la psyché en particulier, ont montré la part importante d'irrationnel dans le comportement réputé conscient. On a découvert, à propos de la psychologie animale, par exemple, que leur façon de répondre à l'environnement est de nature à nous apprendre beaucoup de choses sur nos propres comportements, finalement. Mais ce sont des théories qui sont accueillies sans enthousiasme, parce qu'il y a, chez les humains de bonne volonté, il y a une peur de se connaître. On croit que nous sommes des êtres rationnels. On se dit, je ne peux pas croire que je puisse avoir un comportement qui est inspiré par quelque chose d'irrationnel. Et puis, il y a aussi chez nous une très grande capacité de justification, qui tient sans doute même de la créativité, je dirais. Je peux, par exemple, justifier le fait que je suis sévère avec mes enfants, parfois même violent d'une certaine façon, en me disant qu'il est important que les enfants sentent que l'autorité veille sur eux. Tout ça parce que je me venge sur eux d'avoir eu une enfance malheureuse. Je peux justifier le fait que je ne vais pas souvent voir mes vieux parents parce que je me dis que je suis très occupé, j'ai autre chose à faire, ils vont comprendre, du reste c'est certain. Parce que, au fond de moi-même, j'ai peur de les regarder vieillir, j'ai peur de ma propre vieillesse que je découvre à travers mes parents. Je peux justifier de vivre au crochet de la société en me disant que la société est aliénante, que je ne veux pas devenir une victime du système, sans me rendre compte que je n'ai peut-être jamais coupé le cordon ombilical, que j'ai besoin encore d'être pris en charge, que je ne m'appartiens pas vraiment, que je ne me prends pas en main vraiment. Mais c'est très compliqué parce que le fait d'avoir eu une enfance malheureuse ne va pas nécessairement entraîner de la part d'un parent une sévérité très grande ou une violence à l'égard des enfants. Et puis, il faut bien dire d'autre part aussi que la société est aliénante. Alors, ça devient extrêmement difficile de parler de l'inconscient. L'inconscient est comme la partie qui se trouve sous l'eau du iceberg. C'est la partie la plus importante de la psyché. Mais on l'ignore. On n'a d'intérêt que pour la partie qui est à l'extérieur de l'eau, bien sûr. Abraham Maslow, qui est un des chefs de file de la pensée psychologique moderne, disait « La plupart des difficultés d'ordre psychologique vient de la peur que l'on a de se connaître, la peur de connaître ses émotions, la peur de connaître ses impulsions, ses souvenirs, ses possibilités aussi. » Et il ajoutait finalement la peur de connaître son destin. Pour percer le mystère, le mystère de l'inconscient s'entend, il faut procéder à ce qu'on peut appeler un travail sur soi. Personne n'aime travailler sur soi, c'est très désagréable, il faut bien le dire. Ce travail sur soi consiste en une conscientisation, c'est-à-dire qu'on essaie de prendre conscience de plus en plus des matériaux qui sont au niveau de l'inconscient. Les matériaux de l'inconscient viennent se libérer, dans certains cas, au niveau du conscient. On en prend conscience, autrement dit, de ces matériaux de l'inconscient. C'est un peu comme l'archéologue, ce travail. C'est très difficile, ça prend beaucoup de patience, c'est très long. L'archéologue qui va,
poursuivre ses fouilles et qui va identifier certains objets de la vie quotidienne des gens qui ont vécu dans cette ville, à un moment disparu. Et petit à petit, il va découvrir la vie quotidienne de ces êtres. Le travail sur soi, la conscientisation, tient d'une forme d'archéologie mentale. On est à la recherche d'indices, à la recherche d'objets mentaux qu'on va patiemment identifier, qu'on va faire monter à la surface, conscientiser, dont on va finalement prendre conscience. Il n'y a pas de doute que c'est le travail d'une vie, mais peut-être que c'est le sens même de la vie. Autrefois, on considérait les forces obscures ou les forces lumineuses avec lesquelles on devait vivre à certains moments comme des forces venues de l'extérieur. C'était parfois les dieux qui nous habitaient, ou alors au contraire, c'était les démons qui nous habitaient. Et puis, on a découvert petit à petit, en particulier avec les travaux de Sigmund Freud, on a découvert finalement que ces forces obscures et lumineuses aussi sont à l'intérieur de nous. Je ne dis pas qu'il n'y a pas aussi peut-être des forces obscures qui viennent, qui agissent de l'extérieur, mais on a découvert que la psyché était remplie de forces obscures et lumineuses, et en particulier ce qu'on appelle l'inconscient. Quel est maintenant le contenu de l'inconscient? Ah, c'est une bien grande question. Et la réponse évolue petit à petit. Avec Freud, on a découvert que l'inconscient était un système qui contenait tout ce qui avait été refoulé par le conscient, en particulier au moment de l'enfance, et qu'il existait une interaction entre l'inconscient et le conscient. Et petit à petit, la géographie, si je peux dire, de l'inconscient est devenue de plus en plus vaste. Avec le docteur Carl Jung, par exemple, on passe de l'inconscient individuel à la notion d'inconscient collectif. Il ne s'agit plus seulement de matériaux refoulés par l'individu, mais il s'agit de toute une expérience accumulée par l'humanité au cours des millénaires, une espèce de mémoire de l'espèce, c'est ce qu'on appelle l'inconscient collectif. Et depuis, l'inconscient n'a cessé encore de croître jusqu'à ces dernières années, alors que certaines écoles en donnent une définition qui est très proche de celle qu'on peut trouver dans les philosophies orientales. C'est-à-dire que le contenu pour certaines écoles de psychologie maintenant de l'inconscient comporte par exemple le souvenir refoulé des incarnations passées. Parmi les motivations obscures, il y a le sentiment d'infériorité. Et si je choisis cet exemple, c'est que nous l'éprouvons tous, le sentiment d'infériorité. Alfred Adler, qui a été l'un des pionniers de la psychiatrie moderne, disait « Être homme, c'est se sentir inférieur ». Ce sentiment d'infériorité, évidemment, est un des grands moteurs de la vie. Il suscite une compensation. On appelle ça même la loi de la surcompensation, qui peut être ou positive ou négative. Un exemple classique de surcompensation positive, Démosthène, qui était dans la Grèce antique, bègue dans son enfance et qui est devenu l'un des plus grands orateurs de son temps. À un moment, il s'est entraîné, il haranguait la mer, il avait des cailloux dans la bouche
de façon à dominer son infirmité, ce qu'il percevait comme une infirmité, de façon à se dépasser. Il y a dans cette loi de surcompensation une volonté de dépassement magnifique du reste. Beethoven a écrit certaines de ses œuvres les plus belles alors qu'il était sourd. Le poète Milton a fait des descriptions fabuleuses et il était aveugle. Mais dans certains cas, la surcompensation peut devenir une névrose. Et là, c'est l'aspect négatif qu'on doit aborder. Pour dire que, hélas, l'histoire de l'humanité est très riche en surcompensation négative, c'est-à-dire en individus qui ont provoqué des événements malheureux, massacres, guerres. Tout ça pour se prouver quelque chose à eux-mêmes, pour finalement régler leurs problèmes personnels sur le dos de la collectivité, pour compenser, surcompenser pour leur sentiment d'infériorité. Il est relativement facile, lorsqu'on regarde certains événements de l'histoire, de constater qu'ils ont été souvent inspirés par des personnalités qui étaient en mal de surcompensation. C'est beaucoup plus difficile à propos des événements qui sont dans l'actualité. D'abord parce qu'on a le nez collé dessus, mais aussi peut-être parce que les médias, qui jouent un rôle très important dans notre société, font partie de cette espèce de mystification. Jamais il ne paraît possible de nous éclairer sur la motivation profonde, les mobiles obscurs qui ont pu inspirer tel ou tel événement, par exemple. Ce qui m'amène à dire que le progrès fait par la psychologie n'est pas passé dans le domaine de l'explication du phénomène social. Cependant, si on veut reconnaître les mobiles obscurs qui inspirent les événements, il faut commencer par les reconnaître en soi également. Il faut passer par un processus de conscientisation. Cette conscientisation, prendre conscience des matériaux de notre inconscient, finalement, elle se fait tous les jours. Chacun d'entre nous, nous le faisons tous les jours, consciemment ou inconsciemment. Le fait de savoir que nous le faisons accélère le processus. On peut aussi, si on le souhaite, et c'est souhaitable, je pense, l'accélérer par l'étude. Mais dès qu'il s'agit de régler des tensions ou des conflits, en particulier entre l'instinct et la raison, il est souhaitable de faire appel à des techniques de déblocage, à des groupes de rencontres, par exemple, et si vraiment le vécu est dramatique, de faire appel à la thérapie individuelle. Car il est très difficile de défaire certains nœuds soi-même. Enfin, pour pouvoir quelque chose pour soi dans ce domaine de la conscientisation, il faut d'abord et avant tout, le vouloir. Il y a maintenant en psychologie une nouvelle tendance qui est de considérer l'aspect positif de ce qu'on appelle l'inconscient. C'est-à-dire que l'inconscient est de plus en plus considéré comme un réservoir d'énergie, une énergie qui peut être canalisée dans un sens négatif, bien sûr, mais aussi dans un sens positif. C'est-à-dire qu'on revient, d'une certaine façon, à une notion très ancienne qui considérait l'homme comme constitué de deux parties, une partie animale et une partie divine. Alors, comme il fallait tout à l'heure reconnaître l'obscur en nous, l'animalité en nous, d'une certaine façon, il faut maintenant, à propos du surconscient, reconnaître en nous cette part de divinité. Les scientifiques qui appartiennent au mouvement qu'on appelle la gnose de Princeton nous disent que l'univers, dans son ensemble et ses parties, est conscient de lui-même. Ah, quelle formule merveilleuse! Donc tout participerait de la conscience universelle. L'homme, bien sûr, mais aussi les animaux, les végétaux, les minéraux également. Il n'y a plus de doute possible, du reste, à notre époque, que les minéraux participent d'une façon certaine de l'énergie cosmique, depuis en particulier qu'on est parvenu à libérer tant d'énergie d'un minéral comme l'uranium.
Seul l'homme, cependant, participe en partie de la conscience universelle d'une façon consciente. Depuis l'hominien, qui le premier a eu ses éclairs de conscience et que l'homme est né. À force d'augmenter notre participation consciente à la conscience universelle, il est probable que nous allons atteindre une nouvelle étape de notre évolution et déboucher sur ce qu'on pourrait appeler l'éveil du surconscient. Il faut donc travailler à augmenter notre participation consciente, à s'éveiller tout d'abord, à faire l'inventaire de l'obscur, et aussi à déboucher sur la lumière. Nous n'avons désormais plus rien d'autre à conquérir sur cette planète que nous-mêmes.